L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce vendredi, 25e semaine du temps ordinaire en essai, où nous fêtons Saint-Padre Pio, lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Jean-Paul Lawson SMO, commenté par le père Hervé Kitumba SMO. L'étude du livre de collecte, chapitre 3, les 11 premiers versets. Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres
et un temps pour les amasser, un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le répond du psaume 143. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est mon bouclier qui m'abrite. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le fils d'un homme pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont une ombre qui passe. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 9, 18 à 22. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste. Mais pour d'autres, Élie. Et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Pierre prit la parole et dit, Le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, shalom. Il est difficile pour que l'homme mortel
puisse saisir la pensée de Dieu. Nul ne peut comprendre son intention. Aujourd'hui, les disciples, pleins d'ambition et d'illusions sur l'essence de la royauté du Christ, sont déçus en écoutant le Maître parler de sa souffrance aux mains des hommes. Qui peut alors les sauver? Qui peut alors assurer leur sécurité? Frères et sœurs, quand le temps devient dur, quand nous n'avons pas d'issue, quand nous n'avons pas de solution, souvenons-nous de notre Créateur et mettons Dieu au centre de notre vie. Il nous assure la paix et la sécurité véritable. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Désormais, sur vos smartphones et ordinateurs, toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.